la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, chapitre 2, versets 8 à 15. Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'il obtienne en eux aussi le salut de Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Si nous rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle. Car il ne peut rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler. En déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut éviter les querelles de mots, elles ne servent à rien, sinon à démolir ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas regretté ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.